Ah bah tiens. Départ VSAV1, VSAV2, VSR, AVP. Merde. Alors, on y va. Alors, c'est où? Ah oui, c'est après le pont, ça. Enfin, ça, c'est après la grande descente, tout droit. Au niveau de la... Ah ouais, je vois où c'est. J'ai pas fait de blessé. Alors on va chercher casque et gilet. Hop. Voilà. Coulisse 66 du VSR 31 L9, prise de réseau effectif. 2 hommes prend le départ pour AVP commune d'Elma. Ah ouais, c'est là. Ah ouais. D'accord, ok. Cody 66 du VSR 31 L9 se présente sur les lieux. Voilà, donc ça c'est bon. Bonjour, vous étiez combien dans la voiture? Deux? Vous avez pas le PC? Et les ambulances qui arrivent? Bon, tu t'occupes de la sécurisation de la voiture, ok. Moi du balisage. Allez, le conducteur il nous attend. Le gilet au vol, voilà. Et la porte. Codis 66 du VSAV 38 L9 prise de réseau effectif 3 h, prend le départ pour AVP. Codis 66 le VSAV 38 L9 sur les lieux. Y'a pas de blessés? Non. Ils étaient combien dans la voiture? Deux. Et les deux ils sont indemnes. Putain, vu l'état de la bagnole. Wow, la tour. Il y a eu plus de dégâts que de peur que de mal, je crois. Hein. Je vais, vous venez avec nous dans l'ambulance, on va faire un bilan. Voilà. C'est 15 de la 38. Nous sommes en présence de deux victimes. Une VSF de 25 ans. Légèrement avec une plaie au bras droit peu profonde. Avec un léger saignement. Et un VSM de 25 ans également, présentant aucune blessure suite à l'accident de leur voiture, refusant le transport sur l'hôpital, décharge signée. D'accord. Allez, à la prochaine. Salut. Codis du VSAV 38 L.
Après la prise en charge de victimes par le VSAV, par les VSAV Elne, les deux victimes ayant refusé leur transport vers le CHU, nous sommes retour sur CS et disponible le secteur d'ici 5 à 10 minutes. Fin du message VSAV 38 Elne. Donc l'objectif de la manœuvre d'aujourd'hui, c'est avec le CCF, on va prendre celui-là comme il est sorti déjà, c'est faire le tour du terrain, puis voilà. D'accord. C'est assez simple comme manœuvre. Sur le site, attention collègue. Voilà. Ah! Je te dépose. Départ CCF. Et comme c'est le nôtre, c'est vraiment comme ici. Ils ont pas dit quel CCF c'est qui part. C'est lequel? Qui part de CCF? Je l'ai pas dit? Non. Le CCF 5. Ah bah c'est le mien alors. Ouais. C'est où ça? Ah c'est le champ de blé. Hein. Oh putain, après le radar. Ah ok. Tiens, c'est bizarre, il est déjà la lâché sur place. Apparemment. Côté 66 du VS, du CCF 5 N prise de réseau effectif 4 hommes point de départ pour feu de champ. D'accord, ok, j'ai un visuel sur. Les gars, tant qu'on y est, on va se stopper ici. On va mettre la lance canon. Et voilà. Hop. Et on va avancer en mettant la lance canon le plus proche possible de la lâcher. CCF 5N du Codis. On aurait besoin de plusieurs CCF en renfort pour l'intervention en feu de champ. Ouais, Codis du CCF 5N, c'est reçu les CCF. Je vous envoie d'autres CCF. Allez, les gars, on y va, on y va, on y va, go, go, go. Allez, ça y est, on y va. Hop, le casque F2. La tenue de feu. Petit 66 du CCF 1L. Prise de réseau effectif 4 hommes au point de départ pour feu de champ. Désolé de la conduite. Ça reste encore un feu assez maîtrisable. Attaquer le feu de ce côté-là. Alors attends, moi je vais positionner le lance-canon de ce côté.
Attendez avant de descendre les perrons. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai pris le lance-canon comme un imbécile? Alors attends. Départ CCF02. Ah ouais, carrément. Si c'est pour le feu de champ, il y a du moyen d'engager là. Le casque F2, tenue de feu. On part pour quoi? Feu de champ. Oh, le 1066 du CCF 2M, prise de réseau effectif 4 hommes en départ pour feu de champ. On va être bon ici. Cody 66 de la VLHR 67. Le feu de champ est maîtrisé, nous sommes en cours de noyage, les moyens engagés sur le feu sont de retour sur la caserne d'ici 20 à 30 minutes après les opérations de noyage. Est-ce bien pris, Codis? Ouais, Codis de la VLHR, c'est bien pris. Salut à tous, c'est Codis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste avant de vous laisser, je voulais faire une petite pub à Chromix. Allez vous abonner, n'hésitez pas. Il vient seulement de débuter. Donc je fais ça pour lui comme c'est un ami. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Le lien sera dans la description, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Allez, salut tout le monde.